Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal TNH là pour Aswea et pour Kounia nous présenter le grand titre. Président République la Jovenel Moïse a fait une visite terrain vendredi 23 mars là en pleine Maribois. Commune Ferrier pour garder besoin de ça, c'est tout dans ça qui gagne à ouais avec la production du riz. Office manager ressources humaines OMRH a mis fin jeudi à un forum de jolité l'ouvrir sous forum administration publique là. Forum ça permet acteurs de discuter sous problème administration publique là et puis dégager quelques solutions. Ministère Affaires étrangères intercollé avec bureau a fait désarmement Nations Unies avec l'Union européenne organisé 21 à 22 mars là dans Pétionville un séminaire sur promotion universalisation convention sous armes biologiques et bactériologiques. Séminaire ça a réuni plusieurs représentants dans diverses institutions dans l'État. Ministère Santé publique et population inauguré un nouveau local centre ambulancier national vendredi 23 mars là. Nouveau local ça trouvé dans cité militaire. Et puis président américain Donald Trump a annoncé jeudi 22 mars là un tweet départ conseiller sécurité nationale Hébert Raymond McMaster et ancien ambassadeur américain en ONU John Bolton qui remplace Hébert Raymond McMaster dans poste ça. Restez avec nos amis TNH, dites ça avec l'autre sujet pour le développer dans le journal. Bonsoir tout le monde qui s'acquiert dans la page météorologique là. Eh bien, nous parlons connaître tout de suite avec collaborateur nous, Wilner Polidor. Salut à tous et à toutes. C'est un plaisir pour nous ensemble jeudi pour prévision météorologique journal qui s'est toujours côtoyé UHM de conseil avec OFNAC et puis Télévision Nationale d'Haïti. Jeudi, c'est 23 mars. C'est journée météorologique mondiale. Nous souhaitons avec toute communauté météorologique là en bonne fête et avec tout partenaire nous disons merci pour collaboration et hier soir t'es gain l'appui et jeudi encore nous prévoit activité l'appui on a regardé comment situation est nous gain fond nous qui trouvé entre Haïti et Cuba font ça supposé arriver sous nous à soir et l'a traversé nous par le nord et faut que nous dit tout gain un croc qui trouvé au sud de pays d'Haïti situation ça a causé vraiment un temps qui très instable sous pays. En ce sens, nous avons gagné plusieurs départements qui sont concernés par l'activité de la PIO. Et département ça, c'est département nord, c'est-à-dire Grand-Anse. Nous avons gagné Artibonite et Sainte, mais c'est tout pays qui est concerné par l'activité de la PIO. Mais l'activité de la PIO, il y a plus fort dans la zone, nous sommes cités là, en parlant de région nord, Sainte, Artibonite, Grand-Anse et même le sud. Et zone ça, le fait que précipitation ça a continué à persister et nous prévoit capable gain inondation sous zone ça. C'est pour ça secrétariat permanent cap gère risque avec désastre de concert avec UHM mandé avec population zone ça priorité veatif lorsque a gain gros pluie avec l'orage pour soirée pour demain avec pour dimanche et surtout dans région nord et sous 4 Saint-Jean Noël là et par couleur ça noir c'est dit gain quelques zones là qui gain possibilité pour gagner inondation et demander population rester veatif parce que a bien la pluie pour après-midi a bien pour soir et la pluie ça va persister sous région nord demain et dimanche pour capitale avec zone qui environne son capitale qui a en bas la pluie encore après-midi à soir et cours de nuit là et n'a bon température qui monter jusqu'à 32 degrés et puis va la descendre c'est 20 degrés Celsius. Pour la mer, c'est une mer qui agite sous région sud, mais côte nord et golfe de la Gonave, la mer a peu agité, mais à cause de fond qui a traversé nous à Soya, n'a bien la mer qui a vint agité et à Soya sous côte nord et côte sud par rapport avec Croya qui a traversé nous l'a agité tout, il même capable venir fort mais golfe de la Gonave pas gagné trop souci. Nous grand soleil qui a couché jeudi à 7h02 et la levé le matin à 6h51. Mesdames, Messieurs, merci pour fidélité avec patience. Nous avons croisé lundi pour notre page météorologique. Bon week-end. Et j'ai noté annoncé l'intitulé. Président République, la Jovenel Moïse, a fait une visite terrain vendredi
23 Maslan en pleine Maribaru, commune Ferrier. Pour garder besoin, zone ça, surtout pour garder qui ça qui pour fête, pour bail production d'IA j'arrête, Jean sa fête, non valait la Tibonite. Chef l'État a été gagné avec plusieurs autorités, parmi eux, ambassadeur pays la France, là, Elisabeth Butandeleg, qui t'a gardé quantité de travail administration Moïse avec le gouvernement La Fontaine fait dans différents coins pays, avec le fonds trésor public là. On suivi un reportage avec Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Pleine Maribaro, c'est deuxième gros zone production du riz en Haïti après vallée la Tibonite. Là, nous dans Parades, dans Maribaro qui gen ti nom en Balagon, à quelques kilomètres République Dominicaine. De l'eau qui sorti la caille dominicain yo vinn servi pour tremper du riz Maribaro. Chef l'État qui t'a visité ferme agricole, sénateur Jacques Sauveur Jean dans Maribaro, annoncé une série d'actions administration là a posé pour renforcer production du riz en Haïti. Et spécialement grand zone de production yo. Nous pas gen l'autre bagaille, c'est de l'eau nous vinn pote. Avec ti canal ça son boucané pour tant bouri. Ti canal là me vinn di, m tellement te besoin d'aller vite. M te di nous te ka acheter des tuyaux 42 pouces, mais te passé bi aller. Mais kounya gon li de ministre bambanam chita là qui important li di moi, meilleur bagaille là si nous fait la maçonnerie, ça bail plus moun travail. Ça veut dire, nous allons lancer le travail rapide, rapide, pour que le canal Zaha, les fêtes de maçonnerie pour venir arriver, parti côté de son jecta bimère. Ça veut dire, parti bon, nous ne pouvons pas le besoin de mettre en maçonnerie, non, mais parti que tape bimère, nous faisons pour la tomber dans trop plein, pour de l'eau à la sécheresse, nous mener là pour venir rouser. Ça c'est pour qu'on ait pour donner bouillir. Je dis à Namari Baro, mais ma tout annoncé. Nous devons annoncer nous aujourd'hui. Pour nous planter 70 000 hectares de terre dans le pays net, nous avons besoin de 20 000 tonnes de semences chaque année. Et pourtant, c'est 2 000 tonnes de semences que le pays a produit chaque année. Nous prenons une décision chaque 3 mois. Taïwan qui a aidé nous dans les affaires de production de semences. Nous prenons une décision pour 300 semences qui montent dans le pays. Nous avons une Maribar qui va produire 5 000 tonnes de semences chaque année. Cette semence qui va produire 12 000 tonnes de valeur chaque année, on l'a cette semence dans plein de qui va produire 3 000 tonnes de semences chaque année. Ça veut dire, ou même qu'à planter du riz dans Maribaro, dans combien de temps, ministre, cette semence Maribaro, qui a commencé? À partir du mois de juillet, cette semence a commencé dans Maribaro. Et dans un an, on n'a pas besoin de question à la casse tête ou à l'acheter semence du riz. Ça veut dire, l'on va planter du riz, on va faire une semence sur place là. Pour virer ça, dans pleine Maribaro, commune Ferrier, président Jovenel Moïse de Gavel, ministre de l'Agriculture, agronome André Bélier, ambassadeur français Elisabeth Betandeleg, avec responsable compagnie Vob et Fils, et puis compagnie Razel, qui a construit route Inch Saint-Raphaël. Objectif là, c'est attirer l'attention bailleurs de fonds sur le travail équipe en place à réaliser dans le pays. Avec l'agent trésor public là et nécessité pour paysans Haïti accompagner projet développement ça yo. Ministère Affaires étrangères intercollé avec bureau Affaires des armements Nations Unies avec Union européenne organisé un séminaire sous promotion universalisation convention sous armes biologiques et bactériologiques. Séminaire ça qui était fait sorti 21 pour arriver 22 mars dans l'hôtel Kinam, Pétionville. T'es réuni plusieurs représentants dans diverses institutions dans l'État, tant que ministère Santé publique, administration générale, la douane, police nationale d'Haïti, ministère agriculture, d'INEPA, ministère intérieur et ministère environnement. Dans l'interview, il y a accordé télévision nationale, chef convention sous armes bactériologiques et biologiques dans le bureau affaires des armements Nations Unies, Daniel Fekes dit, c'est celle Haïti, dans la région Caraïbes, qui peut co-signer convention SILA. On suit. C'est parce que nous voulons pour Haïti, qui est le dernier pays dans la région, caribéenne, qui peut entrer dans l'organisation et la convention et les armes biologiques, là, c'est celle qui était qui voulait entrer. Donc, nous, là, le gouvernement haïtien était très et supportant, il était supporté nous en pays, il y a qui nous, il y a pas la venue, très positif avec le sujet côté pour accepter, pour entrer dans.
dans l'organisation. Parce que le travail, ça nous besoin de faire, nous besoin pour nous retirer toutes vieilles pensées ou bien toutes vieilles âmes biologiques qui ont gagné dans l'Amérique là. Parce que bah, ça veut il y a des abus d'économie, il y a plus de monde qui est là. Nous avons des gouvernements ici, qui sont très positifs sur la question. Il y a des parlementaires, qui sont très positifs sur la question. Donc, il y a des gens qui peuvent parler avec les parlementaires. Mais pour ça que c'est important pour nous utiliser ça, tout, même Jean Talian a posé la question de ce qui ça nous a fait pour nous compter faire. Et donc, l'on peut faire partie des organisations et des conventions biologiques là. Et les grands avantages là-dedans, c'est que si PO là, les victimes d'une attaque biologique, mais depuis qu'on fait un rapport, on dit, mais ça va passer dans le pays, il y a des débats qui sont dans le pays là, il y a des ou, si il y a des cas bon aide médicinale ou baoul, ce cas bon aide économique ou baoul, tout ça net, il y a qui bien avant. Parce que là, il y a un membre dans la convention, dans l'organisation. C'est-à-dire, c'est avantage ça au gain tout, donc c'est ça qui explique le présent sur la même en Haïti. Et le gouvernement a invité pour venir là, pour venir parler, de tout bagage ça. Donc, Haïti était là qu'on a pu parler de ça dans le Parlement et puis pour ratifier. Directeur Relations publiques internationales, Noël Espika, sous bon parle montré important séminaire ça gagné pour le pays d'Haïti. Joël Espika souhaité bataille pour éviter gain agent qui a servi comme arme biologique dans le pays de impliquer toute institution dans l'État. Joël Espika expliqué qui impact positif convention ça a gagné sous société a une façon pour attirer sécurité chaque citoyen dans le pays. Un extrait dans le micro Falande Delphin avec Hervé Pierre. Gouvernement par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères te prend initiative pour organiser un séminaire conjointement avec le Bureau des Affaires de désarmement de l'ONU sur la promotion de l'universalisation de la Convention sur les armes biologiques ou bactériologiques. Pour qui ça? Parce que tout pays a une responsabilité dans la paix et la sécurité internationale. Deuxièmement, là où parle de ZAMNAN, il y a les agents qui utilisent pour fabriquer ZAMNAN, que le pays doit acheter. Et il faut contrôler l'importation, transit sur son territoire de ces agents de matériel ça, qui a entré dans la fabrication ZAMNAN. L'important pour nous organiser ce séminaire ça parce que pour nous montrer que le gouvernement haïtien voulait aller de l'avant pour ratifier la convention sur les armes bactériologiques. La communauté internationale là où balion garantie qu'on pas permettre terroristes venir sur territoire pour ta même venir tenter fabriquer ZAMSA. Et ministère environnement célébré journée mondiale de l'eau jeudi 22 mars là non pas qu'à Makaya dans commune Port Rapiman. Dans occasion ministre environnement Pierre Simon Georges organisé diverses activités parmi eux lancement programme planter 1 million pieds bois qu'à bout dans mois juin qu'à venir là. Reportage Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Pour année 2018 la journée mondiale de l'eau avec forêt a déroulé sous thème solution de l'eau c'est dans la nature. Ministère environnement bon côté parle fait journée action avec sensibilisation ça dans parc Makaya avec slogan c'est Makaya qui a fourni Haïti de l'eau en agit en faveur li. Malgré la pluie cérémonie ça déroulé grandiosement sous animation troubadour zone nan. Dans le parc national naturel Makaya, ministre environnement Pierre Simon Georges inauguré une maison de la nature Fondation Makaya établie dans la localité Rendel, commune Port-Apiman. Et puis il a lancé programme planter 1 million de pieds bois Cap Bout 5 juin Cap Vinila. Une série d'actions d'après ministre qui reflète vision administration Moïse Lafontaine. Nous constatons, même j'ai avec tout le monde, que malgré un pile projet représentant Fondation Makaya sur le deal tout à l'heure, qui passait sous
Pâques là, situation pas trop correcte. Et nous croyons que depuis le président Jovenel prêté serment à tout gouvernement, nous avons exemple, nous avons preuve, un groupe d'autorité qui parle pour constater et puis plaigner, mais nous là pour nous agir, pour nous corriger. Et c'est dans ce sens ça, nous devons prendre l'initiative ça, pour d'ici 5 juin, d'ici la date, pour nous fêter l'environnement, pour nous assurer qu'il y a 1 million de plantules qui entrent dans la terre. Yon zone naturelle qui bien protégée, c'est un espace koto joine yon paquet de plantes avec toute qualité bête. Pi fort c'est natif natal zone nan. Avantage li produit oxygène qui permet moun, plantes ak bête yo bien respirer. Li évite té a dégringoler. Li limite toute vie poison qui ka polluer environnement. Climat toujours meilleur dans zone ça. C'est toute raison ça qui fait moun nan département sud ak grandance ta doué appuyer toute démarche k'ap fait en faveur Pak Makaya. D'après président Fondation Makaya, Stevens Alexandre. Je dis, nous avons une première action pour faire, pour agir avec les gens qui vivent et en tant que Pâques et autour de Pâques. Je dis, pour que nous agissions et vivre ensemble avec eux. Pour que nous expliquions les ressources, pour que nous expliquions qui vient lié pour nous et qui est dangereux car nous avons besoin de nous. Pour que nous transformions le danger ça en opportunité pour nous vivre mieux. Parc national naturel Makaya, sur une superficie 7500 hectares. D'après scientifiques, il y a là-dedans environ 900 espèces plantes, 21 espèces crapauds, 27 espèces reptiles, 73 espèces oiseaux. L'autre sujet dans le journal Emploi Soya, député circonscription Bassin Bleu en Denis Saint-Fort. Félicité administration Moïse et le gouvernement Lafontaine pour caravane changement qui lancé dans tout le pays. Député Bassin Bleu a demandé pour caravane changement arriver dans la commune Lian côté population zone ça fait face à divers problèmes tant que route, santé, de l'eau potable, et pile l'autre bagarre encore. Député Denis Saint-Fort, tu es dans le micro, c'est quoi pas qui avec Fesnel tout ça. Moi, je voulais présenter félicitations par ma président Jovenel pour courage, détermination, le volonté. Moi, qui ai géré un héritage qui loue comme ça. Et encore, moi, je voulais présenter les félicitations pour maîtrise. Malgré ça, le temps dans la presse, moi, qui ai là. Félicitations. Et encore, moi, je dis, président Jovenel, pour caravane, moi, je suis dans le sud, moi, ça réalise. Grande danse, la Tibonite, mais pour l'Ouest, moi, de qui est la vie dans l'Ouest? Nous avons observé notre pause commerciale, nous avons tourné dans un petit moment. Nous avons continué avec l'information, merci pour fidélité et attention. Ministère de Santé publique et population a inauguré un nouveau local Centre ambulancier national vendredi 23 mars. Là, nouveau local ça a trouvé dans la cité militaire. Démarche ça rentré dans le cadre renforcement système sanitaire dans le pays. Nous avons suivi un reportage avec Daline Dorival et Frisnel Toussaint. Cérémonie inauguration nouveau local Centre ambulancier national là déroulée en présence diverses autorités dans le pays. Première dame République là Martine Moïse, ministre Santé publique et population, Marie-Greta Roy Clément, ministre intérieur et collectivité territoriale, Max Rudolph Saint-Albin, plusieurs parlementaires, pour ne citer ça seulement. Dans le discours prononcé dans l'occasion, ministre Santé publique et population, Dr. Marie-Greta Roy Clément, fait qu'on est inauguration nouveau local Cannes, rentré dans 4G fort administration Moïse Lafontaine, a mené pour améliorer le système santé dans le pays. Cette démarche vise l'amélioration de votre environnement de travail afin que vous soyez plus performant. M'rete sous mot, plus performant. C'est bien notre population à chercher. Nous vous invitons à apporter votre support au cadre administratif pour le maintien du local dans un parfait état de propreté. Pays Brésil contribuait en pile dans mettre sous pied local ça et spécialement dans niveau matériel pour répéter chef coopération ambassade Brésil là en Haïti Ana Luisa.
Collaboration ça rentre dans cadre coopération pays Brésil à Haïti dans le domaine santé toujours d'après Analisa. Nous inaugurons les nouveaux locaux du Centre ambulancier national, plus populairement connu en Haïti comme le CAN, qui existe dès 2012. Grâce aux dons brésiliens de 30 ambulances, ces mêmes ambulances qu'on voit circuler un peu partout, ici à Port-au-Prince et aussi dans la province, avec le drapeau du Brésil et d'Haïti sur les portes. Cette deuxième contribution va permettre la réparation de plusieurs de ces 30 ambulances de 2012, leur désinfection et leur maintien, ainsi que l'incorporation de 10 autres nouvelles ambulances. Première dame République là, Martine Moïse, qui a participé à la cérémonie inauguration ça, souhaitait moun ki pral utiliser matériel tout neuf sa yo, servir avec yo bien, dans l'idée pour yo offrir bon gens soins à la population. Première dame nan, rappelé administration Moïse à gouvernement Lafontaine a continuer travail chaque jour pour aider peuple haïtien en joindre soins santé tout partout en de pays. Nous travaillons sans relâche aux côtés des principaux acteurs du secteur à l'établissement d'une couverture universelle de santé de qualité pour chaque famille. L'urgence de vous installer dans ces locaux plus confortables pour reprendre les activités dans des conditions optimales de fonctionnement était plus que nécessaire. La population attend beaucoup de vous en tant que professionnel et il est important que vous soyez conscient de l'importance que le ministère accorde à votre fonction essentielle. Nouveau local, Centre ambulancier national CAN, trouvé la cité militaire. Bâtiment ça, équipé de 10 nouveaux ambulances, sans compter salle gym, garage et dortoir pour employés. Et puis, député Kaila Vachla, Clovis Robaz, applaudit décision administration Moïse à gouvernement Lafontaine prend pour camper sous mes yeux louer machine en maison location, ça qui d'après lui a permis au gouvernement d'utiliser l'agence AIO pour faire l'autre travail dans le bénéfice du pays. Député Clovis Robaz, fait qu'on est, mais ça pral permettre au gouvernement pour te plus assistance by population dans commune qui n'en besoin yo. Député Clovis Robaz te nan micro c'est quoi pas qui à Fresnel Toussaint en suivre. Pour moi même décision ça lit plus que louable. Pour qui ça lit plus que louable? Pas oublier Léon l'argent rentre dans caisse l'état, c'est sommation tout petit l'argent qui sorti dans chaque malheureux, chaque malheureuse qui font activité quelconque ou bien pas font activité, mais quel que soit sauf fait en dans société a ou gon cob directement bien indirectement qui sorti sous cal un bien et rentrer dans caisse l'état pour et fait caisse l'état ça lui-même li gagner un bagage là-dedans. Donc les gon machine qui loué l'administration publique, là, c'est en dans caisse l'État, l'argent sorti. C'est normal si le gouvernement estime que il y a des locations qui sont faites de manière abusive, qui par exemple, pas oublier là, on loue une machine, il y a des machines qui louent presque jusqu'à 200 dollars américains par jour. Eh bien, l'on évalue en haïtien, il y a presque 3000 dollars haïtiens pour un jour. Donc, si mon ça t'a fait 5 mois, 6 mois, machine ça n'a même, ou l'ou ta multiplié 5, 6 mois, ça n'a pas 3000 dollars ou bien 2500 dollars par jour, ça pour équivaler comme la baille. Pendant que gon paquet, ti zone reculée, l'école pas qu'à fonctionner dans zone ça yo, parce que yo pas gen l'argent pour payer professeur, yo pas gen l'argent pour mettre infrastructure de base dans l'école ça pour fonctionner. Eh bien, nous estimons que, et c'est une décision qui louable, parce que ça me saute là yo, c'est un goût de l'eau à travers problème qui gagne parmi tout problème qui gagne à travers le pays. Donc, nous estimons que la décision est louable. C'est une façon pour, comme l'État, de dépenser de manière plus rationnelle et pour être utile à ceux qui puissent en besoin. Action, communauté, transformation et intégration formelle active, c'est une nouvelle organisation qui est lancée officiellement vendredi 23 mars là à travers l'organisation Tout Neuf Sa, responsable envisagé mettre campé une société juste, équitable et inclusive pour tout Haïtien. Compte rendu, Rachel Saint-Fort et Henri Roubercher. Renforcer capacité haïtien yo sans considérer statut social, économique, politique et religieux, yon façon pour permettre de revendiquer et puis exercer plein droit yo, c'est principale mission organisation action communauté transformation et intégration formelle active qui lancé officiellement jeudi 23 mars 2018 là. Éducation pour vivre bon gens citoyens, plaidoyer pour bonne gouvernance, développement local, c'est quelque part Michel Action, responsable nouvelle et strictissa. Actif, fait un diagnostic dans le pays,
de réaliser qu'il y a un pile problème de développement à confronter. Basio, c'est un manque d'éducation à la citoyenneté. Donc, c'est dans ce sens-là, Actif les fondé pour les faire promotion éducation à la citoyenneté, une façon pour nous capables de porter en contribution à problème de développement de notre pays. Donc, activité matin, c'est lancement officiel organisation. Nous devons informer toute société haïtienne de l'existence active et de ça, Actif les paris pour le bail comme contribution dans le pays. Dans l'occasion, un intervenant, Jean-André Victor, coordonnateur général Mopod, explique Actif, c'est une initiative un groupe jeune prend pour montrer sens responsabilité, yo, engagement yo pour faire activité qui valable pour développement pays. Dans ce sens, Jean-André Victor fait qu'on est là accompagner jeunes ça. Les enjeux politiques de la citoyenneté en Haïti, c'est principal sujet coordonnateur général Mopod là abordé dans activité ça. Enjeux politiques yo en pile. Mais rapidement, deux, trois bagailles. Lorsque vous êtes citoyen, vous avez droit, vous avez devoir. Et ça, c'est dans la Constitution. La Constitution a tout droit qu'on a, tout devoir qu'on a. Donc, la première règle, là, c'est garder, apprendre, comprendre. Maintenant, le job pour nous matin, ce n'est pas de répéter les bagailles pour vous, parce que vous avez lu la Constitution. Job pour nous, c'était interpréter la question et montrer que dans tout droit, dans tout devoir qui marche ensemble, il y a un plus important que l'autre, il y a un qui est fondamental même. Par exemple, respect de la Constitution et de la loi sont des choses qui sont fondamentales. D'après responsable, nouvelle organisation ça, Action communautaire, transformation et intégration formelle active, pas là pour apporter l'argent et puis les pas mélanger dans les affaires politiques. Deuxième journée forum international sur réforme l'État à poursuivre vendredi 23 mars là dans Port-au-Prince. Pour dernier journée activité ça, débat été porté sur plusieurs thématiques tant que modernisation, finances locales, sécurité, modernisation, administration électronique, lutte contre corruption, gouvernance locale avec problématique femme dans l'État. C'était occasion pour plusieurs monde qui a dirigé dans l'État et partager l'idée et puis répondre question assistance là sur sujet qui pas clair pour yo. Forum international sa fête d'après José Pierre Louis, coordonnateur général OMH là, dans l'idée pour mettre campé troisième plan cadre réforme l'État pour 5 années qui a venu pour coordonnateur si on nécessité pour refaire administration publique là. José Pierre Louis était quoi il est pour gain bon gens action avec stratégie qui prend pour river jeune résultat y a chichia. Coordonnateur MRH l'a déclaré, a gain un livre qui écrit sous ça qui prend le service outil pour y faire avancer réforme l'État. L'autre sujet, collectif deux dimensions en tête collée avec Union Journaliste Photographe Haïtien, Bayon Point de Presse, vendredi 23 mars là, dans l'idée pour porter solidarité à la famille journaliste photographe Vladimir Le Gagneur qui disparaît depuis 10 jours après un reportage l'État réalisé dans la zone Grand Ravine. Plusieurs journalistes qui étaient présents dans Point de Presse ça signaient une pétition pour demander l'État haïtien garantir respect à droit toute journaliste en manière pour yo continuer faire travail sans inquiétude. N'a invité au suivi un reportage. Marie m'a fait un reportage au Grand Ravine. Côté qu'elle était rendez-vous à 10h mais il était déplacé avant 10h. Et il était dit que on capable reler à midi et à 2h. Puis à midi vraiment midi 15 environ 19. Moi j'ai relé lui et puis il dit que il est en forme, il mangeait. Sauf que il occupé en pile. Donc moi dis ben si occupé, est-ce que me capable toujours l'eau à 2h? Il dit oui, on mettre les à 2h. De 2h arrivé 2h15. Moi relé Marim, téléphone sonné sans réponse. Jusqu'à ce qu'elle pas jamais sonné encore jusqu'à journée jeudi. Moi pas connais s'il monter s'il descend. Ces déclarations Fleurette Guerrier, madame Vladimir Le Gagneur, journaliste ça qui disparaît depuis mercredi 14 mars 2018 là, dans l'occasion l'ital réalisé un reportage dans zone Grand Ravine. 10 jours après, malgré toute démarche d'âme, ça dit l'y fait, l'hypoco jamais rivé joindre information qui t'a dit sacrivé avec Maril. Ensemble, journaliste photographe qui fait partie collectif des dimensions et union journaliste photographe haïtien, dit à continuer manifester solidarité yo avec famille les gagneurs jusqu'à ce qu'ils arrivent qu'on ait sac passé.
En attendant, yo mandé institution qui là pour défendre droit journaliste placer Mopayo dans dossier ça. Nous décidé pour nous là ensemble avec le matin pour non seulement pour nous montrer support nous mais tout pour dire comment nous-mêmes journalistes mais tout photographes nous attachés à valeur républicaine yo qui c'est liberté de presse avec droit à l'information. Nous mettons nous ensemble pour nous demander concours l'autre institution internationale, tant que Reporters sans frontières, Amnesty International, Comité international des journalistes, Fédération internationale des journalistes, ANMH, tout prénom, AJH, SOS et toute organisation qui souterrain, qui dit qu'il y a travail pour moun gen droit. Vladimir Leganyer gen 5 l'année depuis l'ap travail comme journaliste photographe. Selon collectif des dimensions, Vladimir te travaille pour journal Le Matin ak agence en ligne Loop News. Leganyer gen environ yon l'année depuis l'ap travail comme pigiste. L'autre sujet dans le journal emploi Soya, Banque de l'Union haïtienne, BUH, gagne un nouveau succursale sur boulevard Toussaint Louverture en route à l'aéroport. Nouveau point service qui chita dans le siège social Banque-Lan, gagne la donne de caisse. D'après le directeur général BUH, là, Mackinson Gomez, dans le nouveau succursale, ça, client yo a capable de faire dépôt chèque local, paiement chèque BUH à 4 crédits, acheter avec 20 l'argent et puis faire transaction monogramme. Directeur général Banque Union Aïssina, Mackinson Gomez, c'est dans le micro TNH. On suit. Nous avons 16 succursales en tout. Et pour nous, c'est pas. Nous avons succursales et c'est ça que nous avons comme objectif. Nous sommes une banque de détail. Nous sommes une banque retail banking, banque Jean Odia. Il faut que nous gagnions encore plus succursales. Il faut nous rapprocher nous de nous. Et nous avons développé le réseau. Nous avons travaillé pour ça. Nous avons avancé. Je vais me dire là, la BUH est en marche. Nous voulons gagner un seuil de succursale, innover en ce sens dans le secteur bancaire, un seuil de succursale qui permette mon capable de faire une série de transactions. Pour qui ça, des fois qu'on ouvre une succursale, un paquet de lignes, quel monde qui finit son petit dépôt vient faire, quel monde qui finit son petit retrait le gain vient faire, quel monde son monogramme le vient prendre. Est-ce que tu vois? Et puis mais tout le monde ça est réuni même côté. Et puis ligne arriver dans la rue et mon campé dans le soleil là. Et bien, qu'est-ce que ça nous dit? Nous allons faire un développement plus harmonieux. Nous allons faire un développement qui permette nous, à chaque fois qu'on est qui dans telle zone, qui besoin que mon gagne, et puis pour nous mettre un point de service dans la zone ça. Dans la zone côté nous est là, nous gagnons une succursale déjà sur route à l'aéroport qui sont gros succursales, qui ont tout service que banque gagne. Mais côté nous implanté nous là, sous descendre juste en bas, nous allons camper en haut les après-midi vers 4 heures. Je regarde les gens qui ont monté là. Et le matin, bonheur, les gens qui ont descendu. Les gens, ils ont tous besoin de services bancaires. Mais ce n'est pas tous les services bancaires qui ont besoin. Les gens ont besoin de faire des dépôts. Et les gens ont besoin de paquet de dépôts, gros montant de dépôts qu'ils ont fait. Les gens ont besoin de faire des retraits. Ou bien de prendre mon monogramme. C'est ça qu'ils ont besoin de régler. Eh bien, moi-même, je fais une succursale dans la dimension besoin de mon yo. Et à chaque côté de m'bralé, je fais toujours une succursale en dimension besoin que mon yo besoin, service yo besoin yo, pour me capable de rapprocher de yo de plus en plus. C'est temps pour nous observer une autre pause. Nous allons tenir un petit moment avec l'autre information. L'actualité a poursuivi et a fait direction l'autre bord de l'autre côté des affaires espions russes. Skripal a poursuivi 23 diplomates russes qui étaient à l'ambassade britannique dans Moscou vendredi 23 mars. L'Union européenne allée dans le même sens, côté le rappeler, ambassadeur non pays, la Russie. Président Poutine déclaré Londres a tenté monter allié lieu contre lui. On suit. Alors que 23 diplomates britanniques étaient expulsés dans l'ambassade yo dans Moscou vendredi 23 mars 2018 là, l'Union européenne bon côté pas décidé faire ambassade là quitter pays la Russie toujours concernant dossier Skripal là, ancien espion russe qui était empoisonné dans pays Angleterre. La Russie fâchée suite à décision Union européenne là. Président russe Vladimir Poutine estime Londres a cherché monter allié lieu contre lui pour augmenter tension yo. C'est Londres en premier qui te prend décision pour mettre 23 diplomates russes d'ailleurs la Kaili. Quelques dirigeants européens envisagent même décision ça. Côté eux même tout pour le mettre diplomates russes d'ailleurs dans le pays pa yo ou bien encore rappeler ambassadeur yo.
Et président américain Donald Trump annoncé jeudi 22 mars là dans un tweet départ conseiller sécurité nationale Herbert Raymond McMaster, ancien ambassadeur américain à l'ONU John Bolton a remplacé Herbert Raymond McMaster dans poste là en suivre. Un nouveau départ avec une nouvelle nomination faite dans Maison Blanche. Président Trump annoncé démission Herbert Raymond McMaster qui était conseiller sécurité nationale li. Président Trump déjà nommé ancien ambassadeur pour États-Unis dans l'ONU John Bolton dans poste là pour ça cap effectif à partir 9 avril cap vini là. Président Trump salué travail important Herbert Raymond McMaster t'a fait dans équipe là. Président américain rassuré l'a toujours été ami Herbert Raymond McMaster. Annonce a fait environ 10 jours après démission secrétaire d'État américain Rex Tillerson, c'est actuel directeur CIA Mike Pompeo qui pourrait remplacer dans poste ça, lui-même tout un républicain. Et ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a prêté en liberté en attendant que le suprême prenne une décision sur le dossier d'arrestation. Décision ça prévoit pour 4 avril qu'a vini la antive. Après dossier corruption avec blanchiment d'argent qui pesait sur l'ancien président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, qui est déjà condamné pour 12 ans et 1 mois de prison, a prêté en liberté pour qu'il soit là. La Cour suprême a dû prendre une décision sur l'arrestation de l'ancien président hier jeudi. Mais qui repousse ses décisions pour 4 avril qu'a venu là. Une décision qui soulage la population brésilienne là. Si l'ancien président pas prend une décision vite, il n'a pas bien chance de participer à l'élection présidentielle yo, qu'a bien pour fête pour mois octobre 2018 là. N'a pour retourner la Kaikounia pour une fois qu'on est Fédération Syndicat Travail et Électricité d'Haïti, célébré vendredi 23 mars la 32e anniversaire. Dans l'occasion, responsable syndicat Festredla fait bilan activité réalisé pendant 32 l'année et puis présenté revendication by autorité concernée. Reportage Mindred Milias et Henri Aubert-Chéry. Secrétaire général Festredla, Jean-Claude Gilhomme, dans l'occasion, profitez de l'État haïtien pour créer plus bonnes conditions de travail pour vous. Une façon pour vous servir la population. Parallèlement, responsable FESRED, bat bravo pour le projet courant 24 sur 24. Le président de la République mette sous pied. Vous souhaitez aux autorités concernées, vous chita, parler à vous pour le projet qui arrive plus bien réussi. 32 ans, veut dire en pile bagaille pour nous. 32 ans, nous menons sous la langue. Des luttes que nous menons dans l'IDH, qui permettent que nous résistions jour aujourd'hui. Nous disons 32 ans, c'est 32 ans de lutte. Lutte pour les survivre. Lutte pour nous avoir une bonne assurance. Lutte pour que nous ayons une meilleure condition de travail dans l'IDH. 32 ans, c'est 32 ans de lutte pour que nous-mêmes nous résistions contre tout ce qui n'est pas bon dans l'IDH. 32 ans pour nous dénoncer la corruption, 32 ans pour nous permettre que l'EDA Jounéa, camper côté l'IA. C'est ça, 32 ans, ça a voulu dire pour nous. Responsable syndicat FESRED là, puis loin, fait qu'on ait 32 ans, ça, c'est une victoire liée pour eux. Dans ce sens, le secrétaire général FESRED là, rappelé l'EDA pas là pour faire cadeau courant, mais il est là pour vendre courant. Toujours d'après dirigeant FESRED, il est important pour le Parlement ratifier une loi pour empêcher la population de prendre courant, mais plutôt acheter. Lorsque que nous avons 90 à 115 MW qui sont disponibles, il y a des circuits qui alimentent 24 sur 24. Il y a des circuits où il y a 32 rationnements pour nous faire suivre. Parce que nous n'avons pas qu'à alimenter tous les circuits à la fois, en même temps. C'est-à-dire, pour une raison ou pour l'autre, il y a des circuits qui viennent en tranche d'alimentation. Voilà ce que l'IVE est en train d'alimentation et puis il y a un poteau pour une raison pour l'autre qui est cassé. Il y a une autre panne au niveau réseau qui fait sous circuit ça et pas alimenter. Et puis il vient accumuler. Directeur général EDH là, Hervé Pierre-Louis, by garantie, il va travailler en collaboration avec Memphis Radio dans l'idée pour la population bénéficier de bons services. C'est ensemble pour un travail, pour une corée l'autre. Environnement déjà difficile. Si nous-mêmes lançons nous avons bonne chirépite, nous n'avons pas faibli l'institution. Moment où il n'y a pas moment chirépite, c'est le moment de concertation, c'est le moment de tête ensemble. Parce que défi en pile, en pile, en pile. Moi profite de la présence là aujourd'hui pour me remercier employés.
pour me remercier Frestred pour bon gens collaboration que me joignent la main yo. Bon gens accompagnement dans travail ensemble qui permettent que gain des petits résultats. Yo petit c'est vrai mais nous commencer joindre de petits résultats. Cérémonie pour marquer 32e anniversaire Frestred là déroulée dans une ambiance zamitaille côté groupe des best t'a créé animation. Et puis na fois qu'on est Tatiana yon timoun 6 l'année mandé maman li Nadine ou bien papa li Ronald pour passer chercher li nan TNH. C'est la journal en fini pour jeudi an après plo pi gros point avant nous aller président République là Jovenel Moïse a fait une visite terrain vendredi 23 mars là en pleine Maribaou commune Ferrier pour garder besoin zone ça surtout dans ça qui gain à ouais avec production du riz. Office management ressources humaines OMRH a metté fin jeudi à dans forum 2 jours l'été l'ouvri sur réforme administration publique là forum ça permet acteurs yo discuter sous problème administration publique et puis dégager quelques solutions. Ministère Affaires étrangères notre collé à bureau affaires des armements Nations Unies à Union européenne organisé 21 à 22 mars là dans Pétionville un séminaire sous promotion universalisation convention sous armes biologiques à bactériologiques. Séminaire ça a réuni plusieurs représentants dans diverses institutions dans l'état. Ministère Santé publique à population inauguré un nouveau local centre ambulancier national vendredi 23 mars là nouveau local ça trouvé dans cité militaire. Et puis président américain Donald Trump annoncé jeudi 22 mars là dans un tweet départ conseiller sécurité nationale là Herbert Raymond McMaster c'est ancien ambassadeur américain dans l'Union John Bolton qui remplaçait le poste. Merci tout le monde qui t'a suivi journal là nous souhaitons passer un très bon week-end.